Bonjour, je m'appelle Florent Morin, je suis formateur chez Video2Brain pour les formations iOS et je suis développeur iOS depuis 2008. J'ai donc une bonne expérience d'iOS étant donné que j'ai démarré dès le début sur les prémices du langage. Ensuite, j'ai continué progressivement et j'ai fait une première formation chez Video2Brain qui m'a permis d'avoir une première approche de la formation et qui m'a permis de commencer à transmettre mon savoir. Il s'agit de formations basées sur mon expérience en tant que professionnel. À partir de là, sachant que j'ai conçu de petites applications, de grosses applications, avec des contraintes à chaque fois différentes, de jolies petites applications, de mauvaises grosses applications et vice-versa, j'ai une bonne expérience et je vais pouvoir montrer de bons outils qui permettent d'améliorer la qualité du travail, d'aller plus vite et de répondre à toutes les questions qui vont vous être posées au travers de vos développements. L'idée est d'avoir les bases d'abord du langage Objective-C qui est utilisé par iOS, à commencer par les rudiments. On verra ensuite quelques notions un peu plus poussées. Ensuite, nous aborderons la question réellement du développement iOS avec une première découverte de l'ensemble de l'outil de développement, à savoir Xcode. Et après, tout est progressif. D'abord, une application vraiment concrète, comme si vous étiez comme un stagiaire qui est à côté de moi et qui regarde ce que je fais. Je conçois une application de base, ensuite je l'améliore et ensuite j'ai tous les trucs et astuces qui vont autour pour réaliser des applications performantes et de manière efficace. Ce qui est très enrichissant quand on est formateur chez Video2Brain, c'est qu'on peut concevoir des formations vraiment ciblées sur des cas précis avec des problématiques qu'on a soi-même rencontrées. Et c'est vraiment très appréciable de pouvoir transmettre son savoir sur des problématiques qui nous ont posé réellement beaucoup de problèmes. L'idéal pour cette formation, c'est d'avoir les codes sources à côté. Parce que grâce au code source, on peut avoir à la fois le support code et en parallèle les vidéos qui détaillent ce qui a été fait dans le code. Exactement comme si j'étais à côté de vous, en train de vous expliquer votre code. Et ça permet d'avoir un environnement vraiment complet et d'avoir toutes les techniques d'apprentissage, que ce soit à l'oral, à l'écrit, à la reconstitution, si on veut reconstituer les exercices en direct. Et tout ça sur des points à la fois très globaux pour un exercice concret et très ciblés pour des difficultés qu'on rencontre au quotidien.